Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, et ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et mes mains pour l'offrande du soir. Et ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et mes mains pour l'offrande du soir. Seigneur, je t'appelle, vite viens à moi. Établis, Seigneur, une garde dans ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Et ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et mes mains pour la fronde du soir. Gloire soit au Père. Façonné par la parole du Seigneur, passé au crible de sa passion, et désormais revenu de toute peur, apôtre de Jésus, pour son Église, vous êtes pierre de fondation, dont rien je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brises les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Grâce au don que Dieu m'a fait, je suis le serviteur de l'Évangile. Alléluia.
De l'Épître aux Colossiens. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout instant. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous attend au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, la bonne nouvelle qui est parvenue jusqu'à vous, elle qui porte du fruit et progresse dans le monde entier.
La parole du Seigneur demeure pour toujours, c'est l'évangile que vous avez entendu. Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est l'évangile que vous avez entendu. Alléluia. Prenons appui sur la foi qui nous vient des apôtres et prions Dieu pour son peuple saint. Que ton Fils ressuscité se manifeste à ses apôtres, fais de nous les témoins de sa résurrection. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils porter aux pauvres la bonne nouvelle, donne-nous d'annoncer l'Évangile. Toi qui as envoyé ton Fils semer la parole, envoie des ouvriers à ta moisson. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils réconcilier le monde avec toi par son propre sang, fais de nous des instruments de paix. Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux, accueille nos morts dans la joie du royaume. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Notre Père, Tu règnes et viens.
Dieu qui a confié à l'évangéliste saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.